Dans l'actualité ce soir, le Gabon dans la crise. Ali Bongo, le fils du président décédé, a été officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle. L'opposition dénonce une fraude. Des incidents ont éclaté, bâtiments attaqués, barricades. Le consulat français à Port-Gentil a été incendié. L'armée est déployée. Paris appelle au calme. En France, on en sait un peu plus sur la taxe carbone. Elle coûtera entre 75 et 130 euros par famille. Le gouvernement promet des compensations intégrales. Les deux tiers des Français y seraient opposés, selon un sondage révélé ce soir. Les dernières statistiques du chômage confirment qu'il a atteint son plus haut niveau depuis 2006. Dans ce journal, enquête sur la reconversion. Quel résultat, quel parcours? Réponse, exemple à l'appui dans un instant. Michael Jackson, suite et fin, le chanteur sera enterré ce soir dans le plus prestigieux cimetière de Los Angeles. Un feuilleton extravagant, nous serons en direct avec Maryse Burgot. Enfin, le vaisseau des mers verra bien le jour. C'est un projet français, le Sea Orbiter, 51 mètres de haut, sera lancé en 2011 pour étudier les océans. Bonsoir et bienvenue à tous. Le pouvoir reste donc en famille au Gabon. Le fils Ali Bongo succède au père Omar Bongo. Mais ce qui retient l'attention ce soir, c'est bien sûr la tension très forte dans tout le pays. Les deux principaux opposants contestent les résultats. Claude Samper, Bernie Mériot. Dès l'annonce des résultats en milieu de journée, plusieurs incidents ont éclaté à Libreville, la capitale du Gabon. Plusieurs rues étaient bloquées et les blancs étaient parfois pris à partie. Ici, une équipe de reportage de France 3. C'est le ministre de l'Intérieur à la télévision qui a annoncé, après des heures d'attente, les résultats de l'élection présidentielle. Ali Bongo, le fils du défunt président Omar Bongo, est proclamé élu avec près de 42% des voix. Le nouveau président Ali Bongo est sorti brièvement pour un petit bain de foule et il a tout de suite appelé les Gabonais au rassemblement. La compétition est maintenant terminée. Il existe des instances pour les recours. C'est devant ces instances-là que doivent se tourner ceux qui ont des réclamations à faire. Depuis la veille, les partisans de l'opposition faisaient le siège de la commission électorale. La nuit dernière, ils avaient brûlé des portraits du fils Bongo. Et ce matin, leur rassemblement était dispersé par les forces de l'ordre. Subitement, c'est arrivé comme ça. Et ils tiraient sur les gens, finalement. Une balle est passée là, sur ma tête. Je me suis retrouvé au sol. Dans plusieurs quartiers de Libreville et dans la deuxième ville du pays, Port-Gentil, des incidents ont éclaté. À Port-Gentil, le consulat français a été attaqué. Le consulat a été envahi donc, par des manifestants. Nous nous sommes retranchés à l'intérieur et donc ces manifestants ont essayé de rentrer à l'intérieur du consulat et ont mis le feu au consulat. Ils ont incendié. Ce sont les militaires français qui ont exfiltré les personnels du consulat? Effectivement. Dans la ville, une employée de Schlumberger a également été sérieusement blessée et trois stations totales ont été pillées. Ali Bongo succède donc à son père qui était resté 41 ans au pouvoir. Ali Bongo connaît déjà bien les arcanes du pouvoir au Gabon. Après des études de droit en France, il était devenu à 29 ans ministre des Affaires étrangères et à 40 ans ministre de la Défense. Aujourd'hui, Ali Bongo a 50 ans, il doit désormais se construire un statut de chef d'État. On compte 10 000 Français installés au Gabon et un millier de militaires environ. La plus grande prudence leur est recommandée. Je vous propose d'écouter Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères français. Nous condamnons très fermement ces atteintes à l'ordre public et nous sommes prêts à aider les ressortissants français s'il en était besoin. Pour le moment, il n'en est pas besoin. Et vous avez été surpris par la réaction des Gabonais à ces... Oui, mais enfin, on nous le disait depuis quelques jours, nous avons été surpris parce que, encore une fois, je crois que les élections se sont déroulées de bonne manière, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Propos recueillis par Philippe Rochaud et Bernie Mériot. Voilà ce que l'on pouvait dire. Nous reviendrons en fin de journal et en direct sur la situation ce soir au Gabon. Autre titre de l'actualité, le débat et parfois la cacophonie sur la taxe carbone. D'abord cet élément d'information, les deux tiers des Français seraient opposés à cette mesure, 66% exactement, selon un sondage TNS Sofres Logica pour Europe 1. Et on en sait un peu plus sur cette contribution qui vise, vous le savez, à influencer les comportements pour réduire les émissions de CO2. Luc Bazizin, Jean-François Monnier.
Le principe de la taxe carbone, c'est de payer plus cher les énergies qui polluent le plus, c'est-à-dire le gaz, le fioul, le charbon et bien sûr le pétrole. Son montant sera finalement fixé à 14 euros par tonne de CO2, ce qui devrait se traduire de façon concrète à la pompe par une hausse de 3 centimes d'euros par litre d'essence et 4 centimes d'euros par litre de gazole. 3-4 centimes, c'est pas mal, mais s'il y a un intérêt réel, ça doit être bien. Il y a plein d'autres choses à faire, je pense, plutôt que de taxer tout le temps les contribuables. Je trouve que c'est une bonne idée, même si ça va nous coûter cher, mais de toute façon, quand on a besoin de se déplacer, on se déplacera et ça ne changera rien à l'histoire. En fait, il faudra s'acquitter d'une taxe de 14 euros à chaque tonne de CO2, une quantité rejetée avec une voiture moderne au bout de 6 666 km. Or, le Français parcourt 2,5 fois plus de kilomètres, ce qui lui fait un total à payer en plus de 35 euros pour sa voiture. Et ce n'est pas tout. Ceux qui se chauffent au gaz ou au fioul verront aussi leur facture s'alourdir. Transport plus chauffage, l'addition à payer sera de 70 euros par an et par famille. Une moyenne qui cache bien sûr des disparités. Par exemple, un ménage qui vit dans un appartement de 70 mètres carrés chauffé au gaz n'aurait à payer qu'une quinzaine d'euros par an de chauffage. Par contre, un couple qui vit dans une maison individuelle de 150 mètres carrés chauffée au fioul pourrait payer 85 euros par an. Cette nouvelle contribution devrait rapporter à l'État 8 milliards d'euros, dont la moitié payée par les particuliers. Aucune précision pour le moment sur la compensation des sommes qui pourraient être reversées aux personnes plus défavorisées et à ceux qui habitent la campagne, obligés de prendre leur voiture. Voilà, pour mieux comprendre, on prend un peu de hauteur. Jean-Paul Chapelle nous a rejoint. Bonsoir Jean-Paul. Comment font nos voisins, en tout cas ceux qui ont choisi de s'engager sur cette voie de la taxe carbone ? Plusieurs pays d'Europe, essentiellement des pays nordiques. D'abord la Suède, 300 euros la tonne, c'est 20 fois plus que chez nous. Mais aussi en Finlande, au Danemark, au Royaume-Uni et également en Norvège. Alors la Suède d'abord, c'est elle qui a inventé le principe de la taxe carbone en 1990. Une taxe qui a augmenté progressivement, mais dans le même temps, eh bien, elle a été compensée par des allègements de cotisations sociales. Résultat, les prélèvements obligatoires n'ont pas augmenté pour les ménages. Et ça a marché. Les gaz à effet de serre ont diminué de 10% dans la même période. Alors un bémol cependant, la taxe carbone ne s'applique pas aux industries les plus polluantes quand elles sont en situation de concurrence internationale. Et qu'en est-il, Jean-Paul, pour l'économie britannique qui est comparable à la nôtre par sa population ou son taux de croissance ? Là, la taxe est plus modeste. 17 euros la tonne au Royaume-Uni. Elle est appliquée aux industries, au commerce, aux entreprises agricoles qui dégagent du CO2. Là encore, la taxe a été compensé par des allègements de charges patronales. Particularité ici, elle ne s'applique pas aux ménages. Cela dit, le débat est un peu artificiel car il existe bien d'autres taxes sur l'essence, comme chez nous. On ne les appelle pas taxes carbone, mais elles dissuadent le citoyen d'utiliser sa voiture. Merci Jean-Paul Chapelle. La France, elle rendra donc ses arbitrages demain. Rappelons qu'une compensation intégrale est promise par le gouvernement. Nicolas Sarkozy y consultait encore ce soir. Cécile Duflot, vous le voyez, pour les Verts, était reçue ce soir à l'Élysée. Nicolas Sarkozy qui a effectué auparavant une visite dans une usine du département de l'Orne sur le thème de l'emploi. Il annonce la réunion d'états généraux de l'industrie dans les mois qui viennent. C'était une demande de la CGT. Michael Darmon. Il y a 18 pièces pour faire ça. Il y a 28 composants dans... C'est l'atelier de la rentrée. Nicolas Sarkozy repart à la conquête des ouvriers qui lui font défaut. Chewing-gum et conversation informelle avec des apprentis dans cette usine de l'Orne. Combien de temps en école ? Combien de temps ? Alors, on est une semaine sur deux. C'est-à-dire, je fais une semaine ici et puis il y a une semaine à l'école. Et après, vous les prenez, vous les embauchez ? Alors, par exemple, dans mon équipe, j'ai 5 personnes dans mon équipe, du directeur de production jusqu'à la qualité, qui sont issues de l'apprentissage. Mais les mauvaises nouvelles de l'économie s'accumulent. Croissance en panne, chômage en hausse. Le chef de l'État veut montrer qu'il se place du côté des salariés. La crise, on en sera sorti quand le chômage se remettra à reculer. Tant qu'il y aura du chômage en plus, on sera toujours dans la crise. Moi, c'est ma grille de lecture. Formation professionnelle, mesures de chômage partiel et exercice de style. Pour son premier déplacement en France depuis son malaise de l'été, Nicolas Sarkozy redéploie son arsenal de formules choc pour l'opinion. Dans la période de crise, il y a beaucoup de souffrance en France, beaucoup de difficultés. Et je dois prendre des décisions très difficiles, mais j'essaierai de les prendre toujours avec le souci de la justice et toujours en tenant le même discours, avec les grands et avec les petits. Avec le haut et avec le bas.
pas de discours. Après son message de fermeté sur la sécurité, Nicolas Sarkozy renouvelle en pleine crise ses promesses de justice sociale et économique. La moitié de son quinquennat coïncide avec une année électorale et le président compte s'impliquer fortement dans les prochaines élections régionales. Et à propos d'emploi, l'INSEE a publié les derniers chiffres aujourd'hui. Le chômage a atteint à la fin du deuxième trimestre 9,1% de la population active en métropole, à son plus haut niveau donc depuis 3 ans. Alors nous vous parlons depuis plusieurs mois des nombreux plans sociaux et de ces milliers de salariés qui attendent ou qui espèrent une reconversion. Et qu'en est-il vraiment? Que se passe-t-il après la perte d'emploi? Enquête Romain Boutilly, Vincent Barral. C'était le temps de la colère. Janvier 2003, les 830 salariés de Metal Europe viennent d'apprendre leur licenciement à la télévision. Une fermeture sauvage, sans préavis, aucune indemnité. Un des derniers bastions du monde ouvrier vient de tomber. Alors, comment se reconstruire? Quel avenir lorsqu'on a passé 25 ans dans la même usine? 6 ans plus tard, le réveil est toujours aussi matinal. Comme son père, José Smolik était fondeur à Metal Europe. 6 ans plus tard, la page n'est toujours pas tournée. Le jour où ils ont annoncé, c'était mes 49 ans, 16 janvier. À cet âge-là, il se pensait condamné au chômage. Pendant 4 ans, les petits boulots s'enchaînent. Puis, l'an dernier, c'est l'embauche, enfin. Retour à son tout premier métier, électricien, il gagne 2 fois moins qu'à Metal Europe. Ils sont pas numérotés, ça ? 1150 euros par mois. Franchement, bon, j'ai le sourire maintenant parce que je sais que maintenant je suis sûr et certain de moi-même maintenant que je vais pouvoir terminer ma carrière, mais tranquille, sans tracas ni quoi que ce soit. Mais du fond de sa tranchée, l'ancien métallo demeure un reconverti. Je me suis toujours mis dans la tête que si, par bonheur, Metal Europe rouvrait, je crois que j'aurais battu les records de vitesse pour y rentrer. Son histoire, c'est celle de milliers de salariés licenciés. Une reconversion difficile, un divorce, des crédits à payer. Aujourd'hui, sur 830 ouvriers de Metal Europe, 150 n'ont toujours pas d'emploi stable. Mais un tel gâchis est loin d'être une fatalité. Toul, en Lorraine, décembre 2008, le groupe Michelin ferme son usine Kléber. 826 salariés sans emploi. Les syndicats obtiennent de la direction un plan de reclassement entièrement financé par Michelin. Désormais, leur avenir se joue ici, un hangar de 1500 mètres carrés. L'un se concentre sur son chalumeau à l'atelier plomberie. L'autre s'essaye à la menuiserie. Un peu plus loin, gestion du stress, cours de tai chi. Nous sommes dans un atelier de transition professionnelle, une première en France. Par groupe, les anciens de Kléber sont envoyés ici pour apprendre un nouveau métier. Il faut savoir, pendant tout ce temps-là, le salarié reste salarié Kléber, il continue à être rémunéré tout en travaillant sur un nouveau projet professionnel. Et la formule est efficace. 8 mois plus tard, 70% des salariés ont un emploi stable. Une méthode qui permet aussi de mieux vivre le licenciement. Je suis avec mes collègues. Donc déjà, on s'encourage. Ça, c'est un bon point. On a des conseillers aussi qui sont derrière nous. Certains sont même passés de l'atelier à la création d'entreprises. Hugues Comte était chef d'équipe chez Kléber. Et voilà monsieur, merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Après une formation payée par Michelin, il ouvre une franchise de cartouches d'imprimantes. Il embauche un, puis 2 anciens collègues de Kléber. Aujourd'hui c'est un patron qui ne se verse pas encore de salaire, mais un patron heureux. Un beau challenge, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est motivant. C'est sûr que quand on se lève le matin, on a d'autres pensées, d'autres soucis que ceux qu'on avait quand on se levait avant. On se demande, tiens, est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que ça va marcher? Alors qu'avant, on allait au boulot, on avait son boulot à faire, ses objectifs. On ne se posait pas cette question. Metal Europe, Kléber, 2 histoires différentes, un même constat. Après la fermeture, une autre vie est possible. Pour les entreprises, un nouvel enjeu se dessine aujourd'hui, l'accompagnement de ses salariés. Sachez encore, toujours à propos d'économique, la Grande-Bretagne a rejoint la France et l'Allemagne pour réclamer des règles strictes et concrètes lors du prochain G20 en matière de régulation de la finance ou de rémunération. C'est un fait notable compte tenu des réticences de départ du Royaume-Uni sur tous ces sujets. En bref, à l'étranger, le bilan du séisme s'est encore alourdi. En Indonésie, on compte désormais 57 morts, plus de 300 blessés. Bilan toujours provisoire, les opérations de secours continuent dans les décombres. En Chine, le calme reste
reste précaire dans la région du Xinjiang. Vous vous souvenez sans doute que des heurts interethniques violents avaient opposé les Ouïghours de confession musulmane aux habitants venus du reste de la Chine, les Han. Eh bien, ces derniers dénoncent les agressions dont ils sont victimes. Ils ont manifesté à nouveau aujourd'hui. Il y a comme un air de déjà-vu. Michael Jackson sera enterré ce soir dans le plus prestigieux des cimetières de Los Angeles et dans l'intimité, et cela 2 mois après sa mort. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct sur place. Jusqu'au bout, on peut dire que toute cette affaire aura décidément été extravagante. Oui, et toute cette extravagance contraste vraiment avec l'ambiance de grande discrétion et même de secret qui règne ce matin devant ce cimetière très chic et très cher de Forest Lawn. La famille de Michael Jackson aurait acheté à prix d'or 12 emplacements, rien que cela, pour Michael Jackson. Le roi de la pop va donc reposer aux côtés de personnages qui ont fait l'histoire d'Hollywood, comme par exemple Clark Gable. Alors, ce sera une cérémonie strictement privée, la police patrouille, les fans sont priés de rester chez eux. D'ailleurs, pour l'instant, ils ne sont pas venus, égard à ceux qui oseraient enfreindre le règlement. Vous le disiez, ça fait 2 mois que Michael Jackson est décédé, mais entre les autopsies, les règlements financiers, judiciaires et les dissensions dans la famille, eh bien, il a fallu tout ce temps pour qu'enfin Michael Jackson repose en paix. Maryse Burgot à Los Angeles. Merci Maryse. La cocaïne et l'ecstasy ne connaissent pas de frontières. C'est cette fois en Pologne qu'une saisie record pour le pays a été réalisée par la police. La drogue était cachée dans un frigo. Depuis plusieurs années, les pays d'Europe centrale constituent aussi un marché ciblé par les trafiquants. Des trafiquants qui s'appuient souvent sur des territoires où ils bénéficient d'une grande impunité. Exemple, Haïti. Depuis des années, l'île est livrée au chaos. Des policiers français, sous la houlette des casques bleus, sont engagés sur place. La lutte en amont contre les mafias de la drogue, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Audrey Goutard, Philippe Jasselin. C'est l'un des plus grands bidonvilles de la planète. Espérance de vie, 50 ans à peine. C'est aussi une capitale mondiale du crime. Haïti est une plaque tournante de la cocaïne. 50% de la production colombienne transite ici avant de repartir vers l'Amérique et l'Europe. Pour lutter contre les gangs, les moyens d'une armée internationale, des casques bleus des Nations Unies, des armes, des avions. Celui-ci a été fourni par les États-Unis. Son équipage a repéré une piste d'atterrissage clandestine. Des coucous colombiens bourrés de cocaïne font escale ici avant de repartir vers l'Occident. La France, elle, préfère envoyer ses experts de l'anti-gang. Ce policier supervise une opération prévue dans le bidonville le plus dangereux de Port-au-Prince, la Cité Soleil. Ce sont des grands professionnels, mais quelquefois, ils ont des méthodes d'intervention, ils sont assez bouillants. Et quelquefois, il y a des petites choses que nous, on peut leur apporter en termes, j'allais dire, de sécurité. Deux jeunes filles ont été kidnappées par un gang. Elles sont séquestrées ici. On se croirait dans une zone de combat à la recherche d'ennemis invisibles. Mais personne ne panique. Ici, un commando en armes n'impressionne plus. Les otages seront libérés le lendemain contre une rançon. Ce policier a d'abord passé 20 ans dans les cités de la banlieue parisienne. Ses anciens petits caïds lui manqueraient presque. On ne peut pas savoir, les gens ont une certaine bonhomie. Et d'un moment sur l'autre, ils peuvent changer complètement et puis devenir très très violents. De plus en plus, on a des armes qui viennent des États-Unis. On a des armes, des véritables armes de guerre, des M16, des Kalachnikov et des choses comme ça. En tout, 60 policiers et gendarmes français sont détachés sur l'île. Voici en t-shirt noir le numéro 2 de la police judiciaire haïtienne. Pierre-Jean Sudry occupe ce poste depuis 3 ans. Et il a dû s'adapter à certains usages déroutants. Ce matin-là, une grosse opération est prévue contre un trafiquant d'armes de guerre. Les hommes sont prêts, mais il faut attendre le juge de paix. Donc vous, en tant que conseiller, vous essayez de... On essaie de faire gagner du temps. Là, ouais, depuis ce matin, on attend le juge de paix. Une dizaine d'heures plus tard, le voilà. C'est un notable que l'on ménage. Les policiers investissent enfin la villa. Ce qu'ils cherchent en priorité, un arsenal. Des armes de guerre cachées quelque part.
L'occupant des lieux n'emmène pas large. Je viens à la maison, monsieur. Je viens avec ma mère. Mais non, qu'est-ce qui nous a fait? Personne, il n'y a que moi, qui, je me dormais. Il n'y a rien, non, monsieur, vous tombez de personne. Côté il n'y a pas de dépôt, nous, ici, non. Encouragés par leurs conseillers français, les policiers fouillent partout. Ils sont intrigués par le confort de la villa, d'autant que le jeune homme n'a pas de revenus. C'est bizarre. Mais on est en train de chercher parce que les informations sont précises. Mais soudain, tout s'arrête. D'un simple geste, le magistrat fait cesser les fouilles. L'arsenal est peut-être derrière cette porte fermée à clé, mais elle ne sera pas ouverte. Impossible d'obtenir la moindre explication du juge. Les policiers gênés préfèrent ne pas commenter. Chacun repart sans savoir si l'homme est ou non un trafiquant. Il s'en sort avec une simple convocation au commissariat. Dans un pays rongé par la corruption, ils ont vu bien pire. L'an dernier, 500 tonnes de cocaïne auraient transité par Haïti. Seuls deux ont été saisis par la police haïtienne et les forces internationales. Cette année encore, l'ONU a dû débloquer près de 240 millions d'euros pour mettre fin au chaos et contrer les narcotrafiquants. Mais la partie est loin d'être gagnée. La criminalité augmente toujours et la misère avec. Il est 20h19, restez avec nous. À suivre, le premier vaccin à une seule dose contre la grippe A vient d'être homologué. Signe des temps, c'est un laboratoire chinois qui a doublé tout le monde. Une page scientifique, le gouvernement a donné son feu vert à la construction du vaisseau du futur pour étudier les océans. Et puis une confirmation, la France a sauvé sa saison touristique. La fréquentation a connu officiellement une hausse de 1% en juillet et août. Les résidences de vacances, on le verra, ont fait le plein. D'abord donc la grippe A. Avec cette bonne nouvelle, un vaccin à une seule dose vient d'être homologué par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le laboratoire qui l'a mis au point est chinois. Il vient de recevoir l'autorisation de mise sur le marché. Nathalie Sapena. Dans la course pour mettre au point le vaccin contre la grippe H1N1, c'est un petit laboratoire chinois qui passe la ligne en tête. Sinovac est le premier à avoir terminé ses essais cliniques. Nous avons obtenu aujourd'hui le certificat et les autorisations de mise sur le marché. Cela signifie que Sinovac peut lancer la production de masse du vaccin. Deuxième prouesse des Chinois, ce vaccin est efficace en une seule dose. Une avancée fondamentale qui permet une vaccination plus rapide qu'avec les deux doses testées actuellement par les autres laboratoires. Mais les vaccins de Sinovac seront destinés aux Chinois. Pour l'instant, les trois gros laboratoires qui dominent la production mondiale, le français Sanofi Pasteur, GSK et Novartis, continuent leurs essais cliniques. Les résultats sont attendus dans un mois et demi. Lundi, le Haut Conseil de Santé publique doit rendre ses recommandations sur les personnes à vacciner en priorité et se penchera aussi sur le nombre de doses nécessaires. À ce propos, sachez que France Télévisions sera en pointe en cas de crise sanitaire. Patrick de Carolis et le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux ont co-signé une convention aujourd'hui. Il s'agit de répercuter, le cas échéant bien sûr, sur les antennes du groupe, les messages d'alerte et de prévention. Cela concerne aussi les catastrophes naturelles. À chacun son tour, après les collégiens et les lycéens hier, ce sont les plus jeunes, les écoliers qui sont rentrés en classe. Mallory Aounou et Vincent Barral ont suivi des enfants, mais aussi des enseignants, des novices. Eux aussi disposent d'un petit guide pour se mettre dans le bain. Voici leur reportage. On pourrait croire qu'ils regrettent déjà le temps des vacances. Pourtant, ce matin à Sarcelles, les enfants semblaient pressés de reprendre, très pressés. Les plus stressés ne sont donc pas ceux qu'on croit. On a envie de donner une bonne image à ses élèves, la première image qu'ils ont de nous est quand même importante. Deuxième année face aux élèves pour cette jeune enseignante. Une classe mêlant CE2 et cours moyens qui doivent cohabiter. Cela tombe bien, il semble avoir pris de bonnes résolutions. Je vais écrire mieux. Je vais bien écouter pour bien faire mes devoirs. Aurélia Allais, elle, avait regretté de ne pas être assez ferme d'emblée l'an dernier. Ses élèves en avaient un peu profité. Cette fois, pas de place à l'improvisation, démonstration.
marquer le décor tout de suite, pas rentrer dans des conversations avec eux, pas essayer de négocier, on le fait après. Déjà, tu fais ce que je te demande et ensuite on pourra en parler. Les enfants semblent d'ailleurs très bien l'accepter et elle peut compter sur les conseils de ses collègues plus expérimentés. Une année scolaire réussie, ça sera une année déjà où l'enseignant il sera détendu dans sa classe avec les élèves. Un enseignant aussi qui sera bien organisé. Une mauvaise rentrée. Ça n'est jamais arrivé. La grippe A. Mais la grippe A n'est pas là. Alors pour l'instant... Les sciences, ce que vous allez voir n'est pas de la science-fiction. Le vaisseau des mers verra bien le jour. C'est un projet français. Le Sea Orbiter, 51 mètres de haut, sera lancé en 2011, dans deux ans, pour étudier les océans. Frédéric Monteil, Thierry Breton. Jules Verne aurait pu l'imaginer. Entre la navette extraterrestre et le sous-marin futuriste, voici le Sea Orbiter. Un navire unique au monde. 51 mètres de hauteur, dont 31 sous l'eau. Il peut embarquer 18 personnes. Mais attention, pas pour une croisière de luxe, plutôt pour travailler dans ce laboratoire nomade de 9 étages réservé aux scientifiques. On pourrait observer des phénomènes jamais observés. Commençons par le climat, continuons par la faune et la flore, donc des grands migrateurs. Très peu de bateaux ont pu faire un certain nombre de collectes à travers ces grands courants océaniques pendant des jours et des jours et des heures sous l'eau. Ça n'existe pas. Le Sea Orbiter n'est pas qu'un délire d'architecte. La stabilité du navire a été testée et validée en Norvège dans des bassins spéciaux. Là-bas, il a décroché son permis de navigation. Les Américains suivent de près ce projet français car la NASA veut permettre à ses astronautes de s'entraîner dans un des compartiments du Sea Orbiter dans des conditions proches de celles de l'espace. L'État français, lui, soutient depuis peu ce rêve qui vaut 35 millions d'euros. Sa construction devrait débuter fin 2010. Cette confirmation maintenant, on en parlait récemment, c'est maintenant officiel. Malgré la crise, malgré la désaffection des vacanciers étrangers, le secteur touristique français a sauvé sa saison. Fréquentation en hausse de 1%. Explication, les Français, eux aussi, sont davantage restés chez eux. Et les formules économiques de village vacances ont été plébiscitées. À Lacanau, Francis Mazoyer, Philippe Dumaille. Une piscine de rêve dans un écrin de pin maritime. Voici l'une des principales résidences de tourisme de Lacanau, encore très fréquentée début septembre. La formule idéale pour un groupe d'amis de la région lilloise. Un petit bisou, un petit bisou. En arrière-saison, c'est les prix qui sont bien. Par exemple, on paye 500 euros pour l'appartement, donc 5 personnes. Donc c'est un appartement avec balcon et tout ça, juste derrière le gros bâtiment. Nous devons pour vous ces jambes droites. C'est en quelque sorte le paradis des vacances tout compris. En haute saison, appartements et maisons de 1600 à 2700 euros la semaine. Et la plupart des activités gratuites. Ça nous plaît bien et puis c'est varié, tous les jours c'est différent le cours, donc ça c'est intéressant. En juillet et août, le taux d'occupation a dépassé les 90% avec une majorité de Français. Depuis une semaine, la clientèle étrangère a pris le relais. Ce qui nous a frappé, c'est la belle vue que nous avons sur le golfe avec les pins. C'est très dépaysant, ça fait du bien. Deux nuits dans un deux pièces pour 185 euros, la bonne affaire pour ce couple de luxembourgeois, mais une petite déception. Au niveau de l'aménagement intérieur, c'est quelque chose d'un petit peu rudimentaire, un petit peu simple. Personnellement, je préfère payer un petit peu plus cher et avoir quelque chose un peu plus... d'une catégorie un petit peu supérieure. Pourtant, le taux de réservation est de 74% la semaine prochaine, car septembre offre encore de belles journées aux touristes au bord de l'océan. On revient maintenant, comme promis, à l'une des principales actualités de cet après-midi, la crise au Gabon. La victoire d'Ali Bongo, le fils du président défunt, a été rendue officielle. Des incidents ont eu lieu cet après-midi avec des barricades, des bâtiments incendiés. Bonsoir Jean-Yves Serrand, vous êtes l'envoyé spécial de France Télévisions à Libreville. Comment se présente la situation ce soir ? Bien écoutez, Libreville a deux visages. D'abord une corniche au bord de mer où vivent les expatriés avec le palais présidentiel, les immeubles d'affaires, l'ambassade de France. Et là, tout est calme avec une forte présence militaire. Quelques petits commerces viennent même de rouvrir parce que dans l'après-midi, Libreville était une ville morte. Aucune manifestation de joie, comme d'habitude, après une élection.
Mais au-delà du bord de mer, il y a 500 000 d'habitants qui vivent dans les Matitis, les bidonvilles. Et là, la tension demeure. Il y aurait encore quelques barrages de pneus en flammes. L'armée est présente et on ne sait pas très bien ce qu'elle y fait. Et puis à Port-Gentil, la ville de pétrole, on nous dit que le calme est revenu. Le portail du consulat de France a été réparé. Et les périmètres des entreprises françaises, Total, Schlumberger, sécurisés ce soir. Merci Jean-Yves pour toutes ces indications. Une image de tennis aux internationaux de New York. Pas de miracle pour Richard Gasquet qui s'est logiquement incliné hier soir face à Rafael Nadal en 3-7. L'Espagnol n'a jamais été inquiété. Vous avez vu la balle de match. Ce soir, Marc Gickel affronte l'Américain Roddick. On a appris aujourd'hui la mort d'Olga Polyakov. Elle était à Antenne 2 à l'époque, l'une des grandes réalisatrices des journaux télévisés. Elle était aussi l'une des sœurs de l'actrice Marina Vladi. Olga Polyakov avait 81 ans, tous nos sentiments à sa famille. Et puis au Salvador, à bord de Christian Poveda, reporter photographe, il a été tué par balle. Il venait de réaliser un documentaire sur la guerre des gangs dans le pays. Son film La Vida Loca doit d'ailleurs sortir en salle à la fin du mois. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des autres principaux titres. Le débat sur la taxe carbone, on en sait un peu plus. Elle devrait coûter entre 75 et 130 euros par famille. Le gouvernement promet des compensations intégrales. Les deux tiers des Français y seraient opposés selon un sondage révélé ce soir. Le gouvernement doit livrer ses arbitrages demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeschko. Ça se dégrade encore demain. 20h35, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et au sommaire, notamment, la restauration rapide est-elle toujours de qualité? Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr.